Tiens, t'as vu, c'est bizarre, il porte exactement le même pull qu'à la vidéo qu'il a sortie dimanche. Non mais attends, c'est quoi ce gros crado? En fait, il se lave jamais. J'ai tourné deux vidéos dans la même journée. Non mais il y a des fois, je me tape des motivations, il faut se le reconnaître juste qu'il y a des fois, j'ai un petit coup de pulse comme ça et je me dis « Ouf, je tourne deux vidéos aujourd'hui. Oh !» C'est tout. Ça explique de... J'avais la flemme de changer de pull entre deux prises. Je me suis dit « Quitte à passer pour un gros crado, on a l'image qu'on mérite. » Voilà, bon bah écoutez, je ne me douche pas. Ah, ça arrive, ça arrive. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, faut que j'arrête avec cette phrase de dire « Aujourd'hui, on va... » Vous la voyez dans le titre? Ça ne sert à rien que je l'explique. All. All Lego. Voilà, je suis allé au Lego Store. J'ai craqué mon slip encore une fois. Maintenant, j'en mets pas. Donc j'ai craqué le porte-monnaie encore une fois, j'ai acheté quelques petites choses qui vont me faire plaisir, qui vont également faire plaisir à Nibrik, puisque j'ai acheté également des choses pour les animations, et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, donc c'est parti, on y va, sans plus attendre, je vous présente un petit peu les achats du mois de janvier. Alors, je suis allé au Lego Store pour le premier jour des soldes. Le deuxième. J'y suis allé pour le deuxième jour des soldes. Donc, il y avait quelques petites choses, mais j'ai pratiquement rien pris puisque les seules choses que j'avais, je les avais déjà. Enfin, les choses qu'il y avait en solde, je les avais déjà. Ou elles ne m'intéressaient pas du tout. Sauf des figurines Lego Harry Potter saison 2. Comme d'habitude, le sac est à côté de moi. Et voici les petites figurines. Donc, quelques 6 packs. 6 packs de figurines. Alors, qui sont déjà ouverts parce que j'ai dû regarder pour commander le reste sur Bricklink. Mais 6 packs de figurines. Alors, je sais que dedans, il y a Shaker Bolt, il y a Mimi Géniard, je crois qu'il y a Luna Lovegood, j'ai également le mec de Gringotts, j'ai Neville Londubat et le dernier, je ne sais, Hermione Granger. Voilà, donc ça c'est les 6 figues qu'il y a là-dedans, que j'ai touché à 2,79€ le pack, puisqu'il était en promo, donc à moins 30%. Donc ça c'était la première petite affaire que j'ai faite, et c'est la seule affaire des soldes que j'ai eu. Alors, pour les 7, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien, j'ai commencé par acheter le Bonsai Tree. Alors celui-là, on va le monter en live dès que les lives reprendront. J'ai vraiment envie de le monter. Je veux faire la version japonaise du Bonsai Tree qui est juste ici, voilà, que je trouve vraiment très très joli. Donc voilà, il partira évidemment dans l'étagère. Je trouve la boîte absolument magnifique. Il y aura la review sur la chaîne, évidemment. On le monte normalement la semaine prochaine, donc j'ai extrêmement hâte. Je viens de trouver un 7e petit sachet. Voilà, bon bah il reste Ron Weasley que j'avais oublié, des mini-figurines Harry Potter. On continue avec 4 sets et oui, 4 sets, qu'est-ce que ça pourrait être? 4 sets, tout simplement des sets Lego Harry Potter. Il s'agit des livres qui sont sortis donc en janvier 2021. Je les ai tous achetés puisque je les voulais, évidemment, puisque je veux compléter à fond la collection des Lego Harry Potter. Donc voilà, tous les livres sont là. Je vous ai passé le Poufsouffle. Non, je ne l'ai pas passé, c'est le seul que j'ai pas passé. Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor. Et donc voici le Poufsouffle, hop, juste ici. Donc les 4 livres qu'on va pareil monter en live, review sur la chaîne. Bref, vous l'avez compris, il y a quelques reviews, quelques lives qui vont être sympathiques en termes de construction. On enchaîne avec un passage au mur pic-à-brique. Donc j'ai acheté quelques pièces, alors tout est dans les pots. Je vous inviterai à aller sur Instagram d'ici la semaine prochaine quand j'aurai tout trié pour voir un petit peu le taille des pièces. Mais il y a des petites pièces de détail et il y a des petites pièces un peu plus grosses. J'ai repris également des brick effect, voilà, en gris. Donc des petites pièces sympathiques puisque j'en ai besoin pour une animation qui va se faire sur le thème de la croisée des mondes, fantastique, et j'avoue que les pièces qui sont là vont sûrement m'aider. Alors avec tous ces achats, et bien comme d'habitude quand je vais chez Lego, j'ai toujours le droit à mon petit lot de sets promotionnels, ça fait toujours très plaisir. Alors j'ai pu retoucher le monstrueux livre des monstres, le livre Harry Potter promotionnel, voilà, qui a, je sais, pas mal disparu des stocks, mais il était en magasin, et donc je l'ai eu de nouveau, très content de l'avoir eu ce petit livre des monstres, je le garde bien précieusement. J'ai également eu le petit set Lego IDs offert, c'est la petite voiture à la plage, qui est très mignonne, qui est très jolie. Je sais pas du tout si je vais le monter ou pas, mais pour l'instant, je le garde également avec moi. Et en plus de ça, j'ai eu deux petits polybags Lego City, un petit hélicoptère et une petite motojet, enfin, c'est pas une motojet, mais un petit hors-board pour les sauvetages en mer. Voilà, grosso modo, ces petits achats du mois de janvier. J'en ai eu pour 200€, je crois, et des poussières. Je vais y retourner au Lego Store puisque je vais racheter 2-3 petites choses. Il me manque des choses puisque je fais à chaque fois des listings de tout ce qu'il me faut et j'ai oublié d'acheter quelques petits trucs, donc je vais y retourner. Donc la semaine prochaine, je sais pas si je vous ferai un haul parce que ça sera un peu moins intéressant, mais je vous inviterai à aller voir sur Instagram. Je ferai une petite story, une petite publi de ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai hâte de monter tout ça. Il y a vraiment les livres Harry Potter et le Bonsai Tree. Vraiment, j'ai envie de les monter à une vitesse.
DS. Peut-être que je rachèterai même un Bonsai Tree. Alors plus tard, pas tout de suite, mais plus tard, pour avoir les deux versions sans avoir à les modifier. Parce que je le trouve vraiment trop beau, ce petit Bonsai, et il peut vraiment se marier dans plein de styles de décors, sur un bureau, comme dans un salon, etc. Donc de toute façon, je vous parlerai de tout ça dans la review du set qu'on fera sûrement dans deux semaines, grosso modo quelque chose comme ça. Très content, je vais finir d'acheter les minifigurines sur Bricklink pour avoir la collection complète des minifigs. Et puis bah écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Et moi je vais aller ranger et trier tout ça. Ciao ciao.